Bonne nouvelle, vous pouvez être la fille d'une des personnes dans la liste suivante. Vous choisissez qui ? Marilyn Monroe, Madonna ou Alex Vizorek ? J'ai mis que des légendes. Madonna. Madonna jeune. Ok, d'accord, ouais, c'est précis. Mauvaise nouvelle, vous devez être la fille d'une des personnes dans la liste suivante. Vous choisissez qui ? Être la fille d'Éric Zemmour ? Être la fille de Woody Allen ? Il y a un petit risque. Ouais. Être la fille de Xavier Dupont de Ligonnès ? Il y a un gros risque. Mais énorme les... Pff, non. Faut choisir. Je suis orpheline. Non, je veux pas. Non, c'est obligé. Mais vous allez me la stresser. Ouais, non, bon. Le premier, alors, je sais pas. Éric Zemmour, bah voilà. Le plus horrible, mais après, je le. Après, vous faites ce que vous voulez. Je le quitte, je dis que c'est plus pas mon père. Enfin, vous l'assommez, vous. Ouais, très bien. Nul les trois, quoi. Attention, question ouverte. Quel parent de fiction vous auriez aimé avoir ? Ah, quel parent de fiction ? Ouais, genre les Thénardier ou. Parent Ingalls. Bah non. Non mais c'est pour vous aider. Pas, là, tout de suite. Non mais parce que moi à la radio faut aller vite. Moi je suis hyper lente. Non, réfléchissez. Pour ce genre de truc. Gargamel. On va prendre le temps. Réfléchissez. Non. Éric Zemmour. Je peux inventer deux pères. Par exemple, je pourrais dire Barbara Streisand. Ouais. Et on peut inventer ce qu'on veut. Il y a peut-être un livre dans lequel vous auriez aimé. Non, je mettrais Barbara Streisand et Dalida ensemble, deux femmes. Oui, allez, ça me va, on garde ça. Quelle chanson raconte le mieux la relation parent-enfant ? Est-ce que c'est Mon fils, ma bataille de Balavoine, Ma fille de Serge Reggiani, pardon, ou Lemon Incest de Serge Gainsbourg ? Bah, moi, j'ai beaucoup aimé la troisième, mais je ne dirai pas ça. Non, mais c'est libre. Quand même, c'est toute une époque. C'était mieux avant. On peut plus rien rire. Non, mais on peut plus rire de rien, c'est fou. Non, la première, moi j'aimais bien la première. Vous vous réveillez demain dans la peau de Marine, la fille de Jean-Marie Le Pen. Quelle est la première chose que vous faites ? Non, bah je vomis. À l'intérieur de vous. Vous préférez avoir Yann Moix comme enfant ou les Courgeot comme parents ? C'est technique, celle-là. C'est trop dur. Ah, j'avais pas dit que c'était facile. Hein. Bah, Yann Moix, j'essaye de l'éduquer pour pas qu'il devienne Yann Moix. Une dernière, Guillaume. Allez, une dernière. Si vous deviez donner un titre à votre biographie à partir du nom d'une station de métro parisienne, ce serait Bonne Nouvelle, Liberté ou Bibliothèque François Mitterrand ? Bah, Liberté. Ah, c'est bon. Bah, ouais. Ma chère Elsa, pas de bol, vous êtes tombée sur un questionnaire de Guillaume Meurice. D'habitude, c'est Juliette. Pas bon, bien. Bah voilà.